Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Genève, ville symbolique de la Suisse. Le réchauffement climatique, l'écologie, sauver les bébés phoques, on va aller demander aux gens ce qu'ils en pensent. C'est parti! Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous en deux mots. Deux mots, ben... Ah stop, c'est perdu déjà. Voilà. Qu'est-ce que tu penses? On en entend beaucoup parler à ces temps, ça prend de l'envergure sur Instagram. Tu connais Instagram, je pense? Ouais, je connais. Du réchauffement climatique et de l'écologie? Bah en vrai, les vidéos, elles disent un peu c'est la merde. Hein. Dans 50 ans, on va mourir d'après Instagram. Ah genre, je sais que c'est la merde, mais... Instagram, c'est une source fiable quand même. Ouais, de ouf. Bah franchement, ça part en couille. Vous nous avez dit hors caméra que vous êtes super écolo. À la cool, mon gars. Quel geste vous faites par exemple pour l'écologie? J'achète des rots et je fume de l'herbe. Non, j'ai très peu. Non. Alors vraiment très peu de choses, mon gars. Non, moi, je suis le dernier à faire des trucs. Attends, j'en ai une. On roule à vélo, mon gars. Et en vrai, si tu retournes, on n'a pas d'argent, hein, t'inquiète. And what good action you make for ecology? Ecology, good for action is for safety. For safety, for good, for our, for the economy, just like that. No, for ecology, not economy. Ecology. Enfin, on est déjà mort, donc c'est bon. C'est hein. Ça. On aurait dû y réagir il y a, allez, une bonne grosse centaine d'années, donc là, c'est fini. Je pense qu'on est trop sur cette planète. Qui sait qu'il faudrait, par exemple, éliminer? C'est difficile de dire. On peut pas éliminer des gens. Je peux te trouver quelques personnes dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Si tu veux que je sois franche, je peux te trouver quelques personnes. Il y a eu pas mal de grèves du climat là, des écoliers qui sèchent les cours. Toi, t'as fait ça? Non, jamais. Je trouve ça inutile si on fait la grève. Pour sécher les cours? Non. Moi, j'ai pas de cours, donc ça me va, mon gars. Moi, j'ai des parents. Non, parce que mes parents, ils étaient pas d'accord, t'as vu? Mais j'aurais bien aimé aller quand même. J'ai eu les trois quarts de potes qui m'ont dit qu'ils faisaient la grève du climat. Les trois quarts, ils m'ont dit, bon bah, c'est pour sécher les cours, après, je vais faire le Black Friday, tu vois. Par exemple, au niveau du mouvement des Verts, genre ceux qui veulent interdire les voitures en ville, qui veulent mettre des taxes si tu prends l'avion et tout. Ils sont véganes? Ouais, bah je m'en bats un peu la race, mon gars. C'est un peu extrémiste, c'est vrai, mais je pense qu'il faut vraiment prendre des bonnes mesures pour améliorer la situation, parce que genre c'est vraiment la merde, je pense quand même. Donc voilà. Yes. Ouais, je peux rien à dire. Si je dis un nom, Greta Thunberg, pour, contre? On voit bien que Greta, tu sais, à chaque fois qu'elle parle, elle lit un peu son texte et tout. C'est ses parents qui ont écrit? Ouais, voilà, gros, c'est ses darons, ils ont écrit ça, juste. Ils fumaient un joint, puis ils ont écrit... Non, je rigole. Alors, sur Insta, là, je sais pas si t'as des potes qui partagent des compilations d'ours maigres. En soi, mon gars, on est à Genève, hein. Gros, à Genève, c'est là où ça consomme le plus. Et mettre juste sur Insta, genre, ouais, sauver les bébés phoques. Ils s'en battent les couilles, ouais, en face ils vont. Genre bah y'a des ours polaires qui vont très bien je pense. Mais c'est sûr que si on montre que ça, les gens ils vont penser qu'il y a que ça. T'as un bon contact avec les ours polaires, t'as des nouvelles de certains? Bah disons que je leur envoie des petites cartes postales de temps en temps. Thierry là, il était en prison dernièrement. Ouais mais il est sorti parce que ouais c'était une connerie, il avait violé un autre, mais vas-y c'est calme, genre ils se sont bien entendus, c'était un bon truc. Tesla Cybertruck ou bien gros pick-up? Vélo. Qu'est-ce que tu penses des vieux qui se disent « Oh, de toute façon, c'est trop tard, on peut plus rien faire ». Bah qu'ils aillent crever. Abonne-toi à Lukungo, c'est une super chaîne, ils font des bêtes de vidéos et moi je suis un mec super sympa. Allez, ciao.